Chers camarades, nous nous plions à cet exercice de cette vidéo, bien qu'il ne soit pas au niveau du débat démocratique dans le parti que nous souhaitons. D'ailleurs, la direction du parti a refusé l'envoi national à chaque adhérent des textes sur lesquels ils sont appelés à voter. Notre texte pour le Congrès, reconstruire le parti de classe, priorité au rassemblement dans les luttes, est un appel à un vrai congrès extraordinaire. Car celui-ci ne le sera pas, il est globalement bouclé par les groupes dirigeants en faillite, malgré le désaveu électoral cinglant qu'ils ont enregistré en juin 2017, le plus mauvais score de toute l'histoire du PCF. Pour nous, il ne s'agit pas d'un incident de parcours, mais de la conséquence du choix d'intégration dans la gauche institutionnelle et de la négation des positions fondamentales révolutionnaires du PCF. Ce congrès n'a en fait de spécifique que d'avoir été avancé de 6 mois pour que les communistes soient dépossédés de la décision pour les élections européennes de juin 2019. Des clans dirigeants qui ont suivi ensemble les mêmes orientations, depuis Robert Hue en passant par la gauche plurielle, plus récemment par le soutien à l'imposture Tsipras ou à l'état d'urgence, se répartissent désormais en 3 textes pour mieux tromper les camarades. Ils partagent tous la mutation, l'abandon des perspectives de rupture révolutionnaire du socialisme. Autre point commun, ils soutiennent la tête de liste virtuelle, Yann Brossat, désigné malgré les statuts du parti et malgré le congrès, pour représenter l'alignement sur le social-libéralisme de Delannoy et d'Hidalgo. Des nuances portent sur les stratégies politiciennes, les uns sont plutôt avec le mitterrandien Mélenchon, les autres plutôt avec le rocardien Hamon, comme nous venons de le voir à la fête de l'humain. Unité, rassemblement, pour nous ce n'est pas de déposer avec le PS ou avec la France Insoumise une motion de censure sur l'affaire Benalla. Ça n'est pas non plus de soutenir celle de la droite, encore moins. Ce n'est pas davantage de faire de Hulot, collaborateur de Macron, un héros de l'écologie, alors qu'il n'est que le petit propagandiste du capitalisme vert. Avec notre texte, nous voulons permettre aux communistes de sanctionner cette ligne destructrice du parti. Nous voulons montrer que le PCF ne se réduit pas à la ligne de ses dirigeants. Mais nous voulons aussi continuer la reconstruction engagée du parti par la base, en tenant les positions qu'on attend du PCF auprès de ceux qui ont objectivement le plus besoin du PCF. En cette rentrée, face à Macron, nous proposons et engageons des campagnes d'opposition franches, correspondant aux objectifs de convergence des luttes, un terme que nous ne voulons pas laisser dévoyer. Il nous faut analyser les raisons de l'échec de la bataille des cheminots, qui continue sous d'autres formes, certes. Nous avons lancé une pétition sur le fond contre la fin du monopole public et contre l'application des directives européennes, pendant que la direction du PCF, tout texte confondu, implorait la BCE de se réorienter. Quand Alstom est bradé et démantelé, à General Electric pour l'électricité, à Siemens pour le ferroviaire, il n'y a pas à hésiter sur le mot d'ordre de nationalisation parce que le rapport de force existe dans le pays. De même, rejetons la PAC numéro 2 qui coule notre agriculture dans les marchés mondiaux ou la directive sucre qui va liquider cette activité en Europe et en France. Mobilisons-nous prioritairement contre la CSG, contre la casse de l'impôt progressif via le prélèvement à la source, et du financement solidaire de la sécurité sociale par les cotisations sociales, le salaire socialisé. Ces vraies luttes rassembleuses impliquent de couper avec les alliances politiciennes, avec la conversion à l'Union européenne, avec le parti de la gauche européenne de Tsipras. D'ailleurs, notre texte constitue un vote pour la sortie du PCF du PGE. Pour que, demain, l'opposition de classe à l'Union européenne ne soit pas dévoyée par les capitalistes nationalistes. Pour que, demain, le débat sur les migrants ne se fasse pas comme en Allemagne ou en Italie, avec le soutien soit aux trafiquants de main-d'œuvre type Juncker ou Merkel, et ou avec les relents nationalistes des 5 étoiles ou d'autres. C'est notre engagement de communiste sur cette question de mettre en avant la solidarité de classe en France entre les travailleurs de toute origine et de façon internationaliste contre les guerres et l'exploitation impérialiste dans le monde. À l'occasion du 11 novembre, l'idéologie dominante va se déverser. Le budget militaire va être voté. Et nous avons lancé, et nous pensons que c'est très important, une pétition pour la baisse des crédits militaires en France, pour le désarmement nucléaire unilatéral et pour la sortie unilatérale de l'OTAN. Ce type d'action est celle qui doit être portée par l'ensemble de notre parti, à notre avis. En réaction à l'horreur de la guerre inter-impérialiste 1914-1918, est né notre parti marxiste et léniniste, sur des bases précises, bien sûr actualisées, les 21 conditions de 1920. Et nous proclamons et nous proclamerons haut et fort, nous exprimerons par notre lutte l'actualité du parti de classe révolutionnaire, du parti de la résistance, de l'anticolonialisme, des plus grandes conquêtes sociales en France,
le Parti communiste français.